Bonjour à tous, ici Pierre, directeur des relations investisseurs chez Landquire. Et aujourd'hui, nous sommes avec Franz, qui est l'un de nos investisseurs depuis à peu près le début de l'expérience Landquire, voilà, de l'aventure. Et Franz, donc aujourd'hui, va nous parler un peu de son histoire, comment il a investi avec nous, est-ce qu'il est bien sûr satisfait. Donc Franz, est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez connu Landquire? J'ai connu Landquire parce que j'avais Cyril Jarnas, qui est quelqu'un qui s'occupait un petit peu du microfilm, m'a indiqué une possibilité d'aller vers les sites par Thibaut. Thibaut Guéant, excusez-moi, Thibaut Thibaut Guéant, oui. Renaud. D'accord, donc c'est un apporteur d'affaires, un gestionnaire de patrimoine ou un conseiller en investissement qui vous a Voilà, je parlé me dis de... qu'il y a le patrimoine. D'accord. D'accord, ok, super. Et donc, vous avez investi avec nous sur deux portefeuilles d'investissement. Donc, j'ai vu, c'était le portfolio 1 et le portfolio 2. Oui, Je vais montrer un exact. peu. Alors, pour information, vous êtes basé en Guadeloupe ou en Martinique, c'est ça? Je suis basé en Guadeloupe, mais je suis aussi un petit peu en Martinique. D'accord, donc entre les deux. Super. Voilà. Ok. Bah, écoutez, Pour je l'instant, nous vais. sommes en Guadeloupe. Vous êtes en Guadeloupe en ce moment? Exact. Super. Bah, écoutez, je vais partager mon écran pour montrer un peu voilà, vos investissements, où cela en est, et présenter un peu à notre audience comment ça se passe, un investissement donc, avec Landquire. Donc là, nous sommes sur. Alors, Investor Sheet, c'est là où on met donc tous nos investisseurs. J'ai bien sûr caché les noms des autres investisseurs des portefeuilles qui est confidentiel. Donc là, on est sur le portfolio 1, donc qui est le premier investissement que vous avez fait avec nous. Donc ce portfolio comprend 7 terrains pour un prix d'achat total de 540 000 dollars. Et vous avez donc investi 50 000 dollars, soit 9,26% de cet investissement, donc par le biais de Cyril Jarnias, qui est votre conseiller en investissement. Pour information, donc cette offre est donc de 540 000 dollars pour acheter donc 7 parcelles qui sont situées dans le Colorado, Floride, Minnesota, dans l'Ohio, Virginie, donc un peu partout aux États-Unis. Et donc, ces parcelles ont été achetées 540 000 dollars. Il y a donc un prix de revente qui a été estimé et le retour sur investissement pour les investisseurs est de 18, entre 18 et 22% sur une période de 1 à 2 ans, donc plutôt 2 ans conservateur pour la revente de la totalité des parcelles. Donc aujourd'hui, nous sommes sur un partage des profits à 60-40 avec les investisseurs et vous avez donc un remboursement qui est fait à chaque fois que nous revendons une parcelle. Alors, à ce jour, sur les 7 parcelles, comme vous pouvez le voir, portfolio 1, portfolio 1, portfolio 1, il y a donc 3 parcelles un an plus tard qui se sont revendues. Et je vais vous montrer un peu les résultats. Donc là, on a une parcelle qui a été achetée 25 000 dollars, qui a été revendue, alors on est sur sell price, 105 000 dollars, donc une très très belle performance. On a fait du x4 sur cette parcelle qui est l'un de nos records. La deuxième parcelle, donc, qui est en Floride, a été achetée donc 22 000 dollars et elle a été revendue 31 000 dollars, donc petit profit de 8 000 dollars sur cette opération. La troisième parcelle a acheté 9 000 dollars, revendue donc 24 000 dollars, donc en moyenne du x3 sur cette opération aussi. Donc vous confirmez bien, Franz, que vous avez reçu les distributions de ces reventes à ce jour. Comment? Hey, c'est magnifique. Excusez-moi, j'ai du mal à vous entendre. Qu'est-ce que vous avez dit? Donc, c'est bien affirmatif, j'ai bien reçu
Pas les coupons. D'accord, super. Alors, donc là, nous sommes toujours en revente des quatre autres parcelles, sachant que les quatre autres sont des grandes parcelles qui prennent un peu plus de temps à se revendre, mais qui proposent des profits très importants. Alors, la deuxième, vu votre première expérience qui est plutôt successful, on va dire, vous avez donc décidé de réinvestir avec nous et vous avez réinvesti donc sur notre deuxième portefeuille, donc voilà, VLGB Invest, Franz Vavoni, et vous avez investi donc 100 000 dollars sur une opération à 1 400 000 dollars pour acheter donc 13 parcelles. Ces 13 parcelles, pareil, sont situées un peu partout aux États-Unis avec un investissement minimum de 50 000 dollars, un retour de 10% annuel garanti qui est payé tous les trimestres et un partage des profits à 70-30, ce qui totalise un retour sur investissement de 25 à 30% pour les investisseurs. Donc là, on peut voir les différentes parcelles. Donc il y en a une dans l'Arkansas. On avait acheté donc 97 000 qu'on a estimé à 125 000 pour la revente. On est sur dans l'Indiana, Maryland, Michigan, dans l'Ohio, Tennessee. Donc voilà, portefeuille diversifié. Et à ce jour, donc portfolio 2, vous le voyez ici, 1, 2, 3. Il y a quatrième et une cinquième, donc sur les 13 parcelles, donc en moins d'un an, on a déjà revendu donc 5 parcelles. Celle-ci, c'est celle de l'Arkansas qu'on pensait revendre 125 000 dollars selon nos estimations, qu'on a au final revendu 179 000 dollars, donc du x2. Une autre parcelle ici qu'on a acheté 26 000, qu'on a revendu 30 000, donc petit profit, mais quand même des profits. Une autre, 79 000, qu'on a revendu 83 000. Là, on est sur la quatrième parcelle qui est juste ici. Je vais la retrouver. Portfolio 2, voilà, Mike 10. Donc, que nous avons acheté 21 000 dollars et qui a été revendu donc 30 000 dollars. Et la dernière parcelle en date, c'est celle de Travis One qui a été achetée 14 000 et qui a été revendue 30 000, donc du x2. Voilà, ça varie. Hein. Parfois, on va faire des belles performances, parfois un peu moins. C'est pour ça qu'on crée un portefeuille qui permet un peu plus de diversification. Donc, encore une fois, Franz, vous confirmez que vous avez bien reçu les distributions sur votre compte à ce jour. Oui, oui, tout à fait. D'accord, super. Alors, pour la bonne nouvelle, donc après ces deux expériences qui s'annoncent donc positives pour vous, vous avez aussi décidé d'investir en tant qu'actionnaire chez Landquire et nous vous remercions, bien sûr, parce que grâce à vous, on va pouvoir booster la machine, donc accélérer le développement de la société qui va nous permettre de réinvestir dans le marketing, de réinvestir dans les offres que nous faisons, parce que faisons des offres en masse sur le marché américain pour récupérer ces opportunités. Donc, bienvenue déjà en tant qu'actionnaire de Landquire. Et voilà, donc est-ce que vous auriez à dire quelque chose à des investisseurs qui souhaitent joindre l'aventure, mais qui sont encore un peu sceptiques? Écoutez, j'allais dire, bon, depuis assez jeune quand même, dans ma vie, j'ai investi en téléphonaté pour faire, mais c'était du direct, c'est du lourd. Donc, je pense que avec l'employeur, par exemple, je ne m'occupe pas directement des choses et les profits sont beaucoup meilleurs ce que j'ai en France, notamment en France ou aux Antilles. Mm-hmm. Voilà. Je suis satisfait. Je peux dire très sincèrement, c'est pas mon habitude, mais je dis aux gens, ouais, joignez l'aventure, ça peut être valable. Super, donc vous appréciez le fait que ce soit 100% passif, que vous n'ayez rien à faire et qu'il y ait quand même des profits donc assez importants à réaliser. Et écoutez, merci. Voilà.
Merci beaucoup, Franz. Merci à vous de ce témoignage. Je suis sûr que voilà, certains sceptiques pourront être rassurés par votre expérience. Nous faisons le maximum pour voilà, revendre ces parcelles de portfolio 1 et portfolio 2 le plus vite possible pour que vous puissiez récupérer donc, votre investissement plus les profits, que vous puissiez donc réinvestir avec nous. Voilà, bah, écoutez, c'était Franz aujourd'hui qui nous donnait son témoignage. Merci encore à lui et puis à bientôt. Chez Landquire, au plaisir de vous guider vers votre prochain investissement sur l'achat-revente de terrain aux États-Unis. À bientôt. Au revoir, Franz. Au revoir. À bientôt, Pierre.